Voilà, bienvenue et bonsoir à tous être avec nous ce soir est pour moi un plaisir et toute l'équipe est heureuse de vous accueillir sur cette plateforme, sur le YouTube comme sur la plateforme Zoom. Et nous vous saluons de quelques coins du monde que vous nous écoutiez, et particulièrement aux Antilles françaises. Et je voudrais adresser un salut particulier à Frédéric Etienne. Il sait pourquoi. Merci. Et ce soir, je voudrais vous faire savoir que juste après la présentation, nous aurons 15 minutes où nous pourrons avoir vos questions, les questions de notre dernière présentation comme celle de la présentation de ce soir. Alors, ce soir, nous allons aller plus loin et le sujet sera très particulier puisque nous allons parler en fait de la guerre des anges. Nous considérerons particulièrement les quatre êtres vivants entrant en scène, mais dans un deuxième aspect. Il nous faudra un troisième sujet pour arriver au chapitre 5. Ce soir, nous allons essayer de terminer le chapitre 4. Voilà. Alors, nous avons titré ce soir Quand les quatre êtres vivants entrent en scène, étude 2. Donc, si vous n'avez pas l'étude 1, il vous suffira simplement d'aller sur notre Zoom ou sur notre plateforme YouTube, sur le YouTube, sur la chaîne qui s'appelle Lumière pour les temps actuels. Vous cherchez Lumière pour les temps actuels. Et vous pourrez, d'ici quelques temps, trouver les sujets en question et pouvoir les regarder à votre guise, puisque nous essaierons de plus en plus de mettre les sujets sur YouTube de façon à ce que les uns et les autres puissent en prendre connaissance. Voilà. Alors, nous y allons ce soir pour notre sujet. Une question se pose. Savons-nous vraiment qui nous sommes et dans quoi nous sommes embarqués? Chers amis, nous vivons des temps particulièrement étranges, difficiles. Ce qui se passe maintenant dans le monde est nouveau, est particulier, et il est important pour les chrétiens de savoir pourquoi ils vivent ce qu'ils vivent aujourd'hui. Mais plus important encore, qui sommes-nous vraiment? Et dans quelle mesure nous sommes intégrés dans ces scènes de l'Apocalypse, de Daniel, d'Ézéchiel, d'Ésaïe, en fait, dans ces visions? En quoi ces visions nous concernent-elles directement ou indirectement éventuellement? Je voudrais vous faire prendre conscience. Je l'ai déjà mentionné la dernière fois, je suppose que certains d'entre vous n'ont pas bien compris le sujet de mardi, il y a 15 jours, et certainement vous êtes posé beaucoup de questions sur cette affaire d'ange. Alors nous revenons ce soir sur cette affaire d'ange et il faudra prêter attention. Ayez vos Bibles à côté de vous. Les textes seront certes à l'écran, mais vous aurez besoin de souligner les textes, de les relire tranquillement. Généralement, on ne comprend pas toujours quand le sujet est présenté la première fois, surtout s'il est nouveau. Donc, il faut prendre le temps de tranquillement chez soi, de reprendre les textes, de les lire et de faire en sorte que la vérité puisse sauter aux yeux. Alors, déjà, relisons Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Merci. Et j'entends. C'est bon? 7 à 9. Alors, mes amis, regardez bien le texte. Nulle part, il n'est dit que le diable est en guerre contre les hommes,
contre les êtres humains. Il est dit qu'il les séduit. Mais il est bien dit qu'il y a une guerre entre Michel et le dragon. Donc, la guerre est une guerre des esprits. Une guerre entre des êtres spirituels. La guerre entre Satan et ses anges contre Jésus et ses anges. Les hommes ne sont que des victimes de cette affaire. Donc la guerre, le conflit est bien un conflit d'anges et d'esprits selon la Bible. Maintenant que nous avons établi cela, sachant que l'apôtre Paul renchérit sur cette affaire, puisqu'il dit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, que nous avons lu la dernière fois, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre le prince de ce monde des ténèbres. D'accord? Bien. Maintenant, dès la création, ce conflit, cette guerre cosmique s'exprime par l'opposition des ténèbres et de la lumière. Ainsi, quand vous lisez Genèse chapitre 1, vous avez « Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour ». Quand vous lisez bien le verset 1, 2, vous comprenez qu'il y eut un soir appelé nuit ou ténèbres, un matin appelé jour et lumière ou lumière. Donc, la création va tomber au beau milieu d'une affaire de lumière et de ténèbres. D'accord? Vous avez deux esprits qui sont confrontés. Si vous regardez bien le chapitre 1er de Genèse, vous constatez que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et il est dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Plus tard, dans la parole, nous apprenons que le maître des ténèbres, c'est le diable. Dieu, lui, est le maître des lumières. Il n'habite pas dans les ténèbres. Donc là où il y a ténèbres, ça veut dire qu'il y a un autre maître, quelqu'un d'autre. D'accord? Lorsque la seule fois où l'on parle de ténèbres en lien plutôt avec Dieu, c'est quand il arrive et que les ténèbres précèdent. D'accord? Précèdent avant que la lumière ne jaillisse. On dit que les ténèbres le précèdent. D'accord? Mais il est dit ici qu'il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Alors, nous verrons pourquoi l'esprit de lumière et l'esprit des ténèbres sont là confrontés. Nous allons lire ou relire pour beaucoup, pour certains, Genèse 2, verset 1 à 3. Regardons ce texte. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà. Alors, lorsque vous lisez les autres versets du chapitre 1er de la Genèse, vous voyez qu'il est dit régulièrement, à chaque jour créé, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Un soir, un matin, deuxième jour. Un soir et matin, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'au sixième jour. Verset 31 du chapitre 1er, il est dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Mais pour le septième jour, il n'est pas dit cela. Il est simplement dit qu'au septième jour, Dieu a achevé son œuvre, il a béni ce jour, il l'a sanctifié. Tout de suite, il vient à notre esprit que pendant six jours, la lumière dut faire face aux ténèbres, les ténèbres ont fait face à la lumière, les ténèbres la nuit, la lumière le jour. Mais quand on arrive au septième jour, qui est le même jour que les autres, puisque vous avez noté que les choses sont faites régulièrement, tous les jours, c'est le même soleil qui se lève, ce sont les mêmes 24 heures, etc. Sauf que pour la création, le soleil a apparu le quatrième jour. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important pour nous, c'est de constater que la Bible met la création dans une perspective. Et ça, c'est très important de le comprendre. Regarde, nous allons, diapositive suivante, on va voir maintenant comment Pierre met la création dans une perspective.
2 Pierre, chapitre 3, versets 5 à 9. 2 Pierre 3, versets 5 à 9. On y va pour la lecture. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dans quelle perspective l'apôtre Pierre met-il la création? Puisqu'il parle de la création. Les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, une terre tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau, par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Et vous allez noter que Pierre non seulement parle de la création, mais il poursuit avec ce qui s'est passé après le péché. Donc après la création. Et il va jusqu'au retour de Jésus, puisqu'il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse ». Et vous allez voir qu'au verset 10 du même chapitre, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur », etc. Donc il part de la création jusqu'au retour de Jésus. Il met donc la création dans la perspective de l'histoire de la rédemption, l'histoire du péché dans le monde. Donc, la création fait partie d'une histoire, fait partie de ce conflit qui a commencé dans le ciel. Et Pierre nous fait savoir que ce grand conflit aura une résolution. Et comment la résolution est illustrée dans la création, c'est que pendant 6 jours, vous avez un reflet de ce conflit, lumière, ténèbres, lumière, ténèbres, lumière, ténèbres, et 7e jour, pas de lumière, ténèbres. Ça veut dire que le conflit a pris fin. Lumière et ténèbres ne font plus face, ne se font plus face. Et c'est la présence divine qui est totale et complète, il bénit et il sanctifie ce jour. Puisque il en est ainsi, je vous suggère de croire et de comprendre que la création, c'est la prophétie de la rédemption. Et nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Je vous montrerai comment chaque jour de la création est une prophétie d'un temps de la rédemption. Chaque jour de la création. Et je vous donne simplement un petit aperçu pour que vous puissiez, pour ceux qui m'entendent la première fois là-dessus, puissent comprendre. Le 6e jour, il y a eu le mariage d'Adam et Ève. Le 7e jour, le 6e millénaire, il y a le mariage de l'agneau. Le 4e millénaire, le soleil, la lune et les étoiles. Le 4e jour, le soleil, la lune et les étoiles. Le 4e millénaire est venu, le soleil de justice, Jésus. Les étoiles représentent ses disciples, c'est ce que nous avons d'après le livre de l'Apocalypse. Et vous avez la lune, d'accord, qui représente bien cette humanité, cette chair humaine, la nature humaine qui est censée refléter la gloire du soleil de justice. Ok. Donc, les jours de la création sont des prophéties des étapes de la rédemption. Donc, Pierre, nous mettant la création dans la perspective de l'histoire de la rédemption, nous comprenons bien que le conflit des âges va se terminer. Le repos sera bientôt là, au 7e temps. Ainsi, nous comprenons que le conflit des anges qui a commencé dans le ciel, le conflit des esprits qui a commencé dans le ciel et qui se poursuit sur la terre, va se terminer après 6000 ans. Au 7e millénaire, il doit se terminer. Et nous sommes dans le 7e millénaire. Depuis l'an 2000, on est entré
dans le septième millénaire. Ça veut dire que Jésus est sur le point de revenir. La fin de l'histoire est bientôt là. Donc, vous et moi, nous devons savoir qui nous sommes, pourquoi nous sommes arrivés à cette période-là et quelle est notre mission. La question, mais qui a confronté qui dans ce fameux jardin d'Éden? Puisque vous savez que ça, quand c'est venu sur la terre, ça a commencé dans le jardin d'Éden. Alors, je vous prie de faire très attention au texte que nous allons, biblique, que nous allons lire maintenant, parce que ce que nous allons en tirer est nouveau, particulièrement important pour ceux qui vivent aujourd'hui. Apocalypse 12, verset 9. Relisons Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors, merci. Juste avant, pour comprendre. Ici, il est question du serpent ancien. Nous savons que le serpent ancien, c'est l'animal ou l'être ou le médium que le diable esprit, le diable est un ange déchu, un esprit, que l'esprit du diable a utilisé pour séduire Adam et Ève. Donc, dans le jardin d'Éden, c'est un esprit malin, l'esprit du diable, qui est venu confronter l'esprit d'Ève. On va lire les autres textes. Psaume 8, verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alors, de qui parle-t-on là? Au verset 6, quand il dit « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence », de qui parle-t-on? La question est posée au verset 5. La question est posée au verset 5. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » De qui parle-t-on? Quand il est dit « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence », de qui parle-t-on? De l'homme en général. De l'être humain. On dirait que tu hésites là-dessus. La question est claire. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Cet homme-là qui est de poussière, mais qu'est-il pour qu'il ait autant d'importance à tes yeux? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Mes amis, la question ce soir est posée, mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? De peu inférieur à Dieu. Certaines versions mettent de peu inférieur aux anges. Le mot qui est utilisé en grec, en hébreu, c'est le mot Elohim. C'est le mot qui traduit le nom de Dieu. Elohim, ce sont les dieux. Donc, ça peut se traduire par tu l'as fait inférieur à Dieu, tu l'as fait inférieur au Dieu, et aussi ça peut se traduire, tu l'as fait de peu inférieur aux anges, parce que certaines fois, le mot peut être utilisé pour les anges. Mais que l'homme soit fait inférieur à Dieu ou inférieur aux anges, il a une valeur et une importance capitale aux yeux de Dieu. Le maître des ténèbres le sait, lui. Maintenant, regardons ce que dit Psaume 82, verset 1 à 6. Psaume 82, verset 1 à 6. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alors, lis le verset 7, j'aime bien. Verset 7, je relis. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Bien. Mes frères, mes sœurs, mes amis, vous qui êtes sur cette plateforme, je vous prie de bien vouloir réfléchir sérieusement maintenant. Regardez bien le texte de Somme qui nous donne un message clair. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc, la vision, c'est une vision de Dieu qui est dans une assemblée qui lui appartient.
Il juge. Donc, on est au moment du jugement. Et au jour du jugement, il reproche à certaines personnes en leur disant, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Qui peut faire ce genre de jugement inique? Dieu? Jésus? Le Saint-Esprit? Les anges fidèles? Ou les anges infidèles et les hommes tombés dans le péché? Ceux qui peuvent faire des jugements iniques, ce sont les hommes infidèles et les anges infidèles. Et Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Dieu est en train de dire, moi je vous considère comme des dieux. Moi je vous considère comme des princes ou encore des rois. Mais vous êtes en train de tomber comme des hommes. Moi je vous ai créé à un degré supérieur, un peu inférieur à Dieu, ou si vous voulez, un peu inférieur aux anges, mais vous êtes en train d'agir comme des fils d'hommes, comme des hommes. Vous n'êtes pas des hommes simplement, vous êtes des dieux. C'est ce qu'il est en train de nous dire là. Donc, jugez comme des dieux, comme moi je juge, puisque si vous êtes des dieux, créés un peu inférieurs à moi, vous avez mon esprit. Et vous êtes censé juger comme moi, je juge. Rendez donc justice aux faibles, rendez donc justice à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez de la main des méchants. Mais Dieu constate, il reproche, il nous dit, mais ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Qui marche dans les ténèbres? Ne sont-ce pas les hommes tombés dans le péché? Et les démons avec leur maître Satan, maître des ténèbres? Wow. Dieu nous dit que nous ne sommes pas des simples hommes, des simples êtres humains. Nous avons été créés avec quelque chose de bien supérieur à l'homme, quelque chose qui tient de Dieu, quelque chose qui fait que Dieu nous dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, ça veut dire que l'esprit de l'homme, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Dieu a mis en l'homme un esprit qui est son esprit. Il a soufflé en l'homme son esprit et a fait ainsi d'Adam un être vivant, un fils de Dieu. Donc, ceux qui sont nés de l'esprit, nés avec l'esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, ceux qui sont nés d'en haut. Donc, les êtres humains sont des anges en chair et en os. Ça y est, c'est sorti. Les êtres humains sont des anges en chair et en os, de peu inférieurs à Dieu ou de peu inférieurs aux anges, c'est-à-dire ils sont un degré d'ange. C'est juste un degré d'ange. De peu inférieur à Dieu ou de peu inférieur aux gens, l'homme est un ange à un degré, un peu inférieur, mais que Dieu a enfermé dans la chair, dans la poussière de la terre. L'homme est un être élevé. D'ailleurs, le fait que le mot employé par le texte original, c'est « élion », qui signifie « très haut, très élevé dans la divinité ». Donc, il est temps que vous et moi, nous sachions que nous sommes des personnages très hauts, très élevés dans la divinité. Nous sommes des anges d'un degré très peu inférieur à Dieu ou aux anges, selon les traducteurs. Moi, je ne vais pas chipoter pour la traduction inférieur à Dieu ou inférieur aux anges. Les linguistes vont se débrouiller avec ça. Moi, je veux simplement savoir que l'homme est un être très élevé, à l'image de Dieu. La lecture de la Bible nous laisse à comprendre donc que la création de l'homme et sa rédemption ont déclenché ce que Dieu a de plus beau, de plus profond, de plus intelligent et de plus sage. Dieu a mis toute sa science dans la création de l'être humain, Adam et Ève, ou si vous voulez, des êtres humains. La création et la rédemption se sont emparés de tout ce que Dieu est. Voilà pourquoi le texte dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Donc, c'est tout l'amour divin qui a été capté
emparés par la création et la rédemption, le plan créateur et le plan rédempteur. Ce plan est d'une telle importance et engage tellement la divinité que Dieu dit, waouh, ce beau plan a été gâché par le diable, par le péché. Je vais faire toute chose nouvelle. Apocalypse, chapitre 21, verset 5. Dieu dit, je vais faire toute chose, je vais tout recommencer, je vais changer l'univers. La création de l'homme, la création de l'homme et de la femme va donner bientôt, par la sagesse, l'intelligence et la science divine, un nouvel univers. Dieu dit, en cas effet, il était à nef. Plus rien ne sera comme avant. L'univers va être transformé parce qu'il y a maintenant dans l'univers l'homme que Dieu a créé, un nouvel être, une nouvelle race d'être que Dieu a maintenant dans son univers. Ce qui intéresse le serpent ancien, le diable et Satan, c'est que l'homme perde l'esprit que Dieu a mis en lui et que sa nature d'ange fonctionne non selon l'esprit, pardon, mais selon la chair et n'hérite pas le royaume des cieux. Je reprends. Ce qui intéresse le serpent ancien, le diable, Satan, c'est que l'homme perde l'esprit que Dieu a soufflé en lui et que sa nature d'ange, sa nature de peu inférieur à Dieu, de peu inférieur aux anges, fonctionne selon la chair et non selon l'esprit qu'il a créé. Et que celui-ci, par ailleurs, fonctionnant selon la chair, n'hérite pas le royaume de Dieu. Revenons en arrière un peu, si tu veux bien, Teddy. Lisons chapitre 20 de Luc, au verset 34 et 36. 34 à 36. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. » Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils auront fils de Dieu, ils seront fils de Dieu, pardon, étant fils de la résurrection. Voilà, Jésus nous fait savoir ici que nous avons des affaires qui appartiennent à l'humanité, les femmes, les hommes, les hommes se marient, les femmes prennent des maris, les maris prennent des femmes. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, c'est-à-dire le siècle qui va débuter, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, n'est-ce pas? Puisqu'il n'y aura plus qu'un siècle. Hein? Puis, il aurait pu dire ceux qui seront trouvés dans les siècles à venir. Mais une fois que l'éternité est là, c'est comme un siècle qui se perpétue, n'est-ce pas? Donc, ceux qui auront part à ce siècle-là, cette éternité, donc, et donc à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari. Ça ne va pas fonctionner comme maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront plus mourir, ils seront désormais éternels. Et parce qu'ils seront semblables aux anges. Si Matthieu dit « comme les anges », là, Luc emploie un mot plus fort, « semblable à ». Donc, ça veut dire que nous serons comme les anges, fils de Dieu, fils de la résurrection. Donc, ça veut dire que les fils de Dieu sont des anges, ce sont les fils de la résurrection. Ils perdront la chair et le sang, la nature humaine, et vont retrouver simplement la nature qu'ils auraient toujours dû avoir de toute éternité, c'est-à-dire la nature d'ange, puisque Dieu est esprit et donne naissance aux esprits. C'est exceptionnellement qu'il a pris la poussière de la terre, qu'il a formé l'ange, qu'il a formé des êtres nouveaux, une race nouvelle, avec ses esprits, avec son esprit, n'est-ce pas? Et c'était juste pour le temps de la rédemption, pas pour toujours. Et ça, on va revenir aux temps anciens. La gestion de ce conflit, c'est ce que nous présente
les scènes d'Apocalypse 4, 5, Ézéchiel 1 et 10, Ésaïe 6 et Daniel 7, 9 à 13. Donc, quand vous lisez ces chapitres de la Bible, vous êtes en train de lire Dieu, comme le psaume 82 nous l'a dit, n'est-ce pas? Vous l'avez lu tout à l'heure avec moi, le psaume 82 dit quoi? Vous vous souvenez? Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Eh bien, les deux scènes, les trois scènes, les quatre scènes que nous avons dans la Bible, scène d'Apocalypse, scène d'Ézéchiel 1, scène d'Ézéchiel 10, scène d'Ésaïe, scène de Daniel, sont des scènes de Dieu qui juge. Et c'est ainsi que nous devons voir ces scènes-là. Donc, quand nous allons revenir à ces scènes, il faudra faire attention et garder à l'esprit que ce sont des scènes de jugement ou encore scènes de mise en place du jugement, de préparation du jugement. D'accord? Mais c'est Dieu qui s'occupe des affaires de l'univers, mais particulièrement des affaires de la planète Terre, parce que c'est là que le conflit est localisé aujourd'hui. Alors, quelle vision nous donnent ces deux groupes indissociables dans Apocalypse chapitre 4? Alors, ce que je viens de dire concernant les anges, que nous sommes des anges, va se révéler encore plus fort lorsque nous allons examiner en collaboration ou en parallèle les chapitres 4, 5, Ézéchiel 1, 10, Daniel 7 et Ésaïe 6. Et vous allez voir que là, les choses se révèlent, elles ressortent. La vision, c'est celle de 4 êtres et 24 vierges. La page suivante, nous n'allons pas relire tous les textes, je vais simplement les citer. La Bible, lorsque nous lisons les textes d'Apocalypse 4, nous montre que ces vieillards, ce sont des êtres attachés à l'adoration. Apocalypse 4, versets 4 et 10, Apocalypse 7, 11, Apocalypse 19, 10. Deuxièmement, ce sont des êtres clairement informés du rôle de l'agneau en faveur des êtres humains. Apocalypse 5, verset 5. Donc, nous sommes là en train d'avoir une information importante. Les 24 vieillards sont informés qu'ils sont en plein dans le conflit des âges et pour résoudre ce conflit, il y a un être qui s'appelle l'agneau. Troisièmement, musiciens, ils sont sacrificateurs, ils sont présentant les parfums et prières des saints. Donc, ça veut dire que ce sont des êtres qui fonctionnent dans le sanctuaire parce que seuls les sacrificateurs peuvent offrir du parfum dans le sanctuaire. Donc, ils fonctionnent dans le sanctuaire. Et comme cette affaire d'offrande de parfum se passe dans le lieu saint, donc nous pouvons dire que Apocalypse 4, c'est l'ouverture du lieu saint. Quatrièmement, les 24 vieillards écoutent et reçoivent le chant unique et spécifique des 144 000, d'après Apocalypse chapitre 14, verset 3. Donc, ce qui veut dire que les vieillards sont en train de suivre le témoignage de ceux qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus, et qu'ils réalisent que ces êtres-là ont une expérience tellement unique qu'ils ont un chant que seuls ils peuvent chanter. Ils sont en vêtements blancs. Le vêtement blanc est la caractéristique des rachetés venant de la grande tribulation, ce qui veut dire que les 24 vieillards sont originaires de la terre. Ils ont des couronnes d'or, caractéristique des rois, des régnants, donc ça veut dire qu'ils participent au règne. Ensuite, ils sont des personnes ayant de longues années d'expérience et de sagesse. Ils sont anciens. L'ancien est généralement quelqu'un qui a quelques années d'expérience derrière lui. De plus, vieillards, donc quelques bonnes années de vie et d'existence. D'ailleurs, comme celui qui est sur le trône, car vous avez noté que dans Daniel 7, verset 9, il est Dieu qui est sur le trône est appelé l'ancien des jours. Anciens des jours. Et enfin, ils sont participants de la nature humaine et divine, ils sont des juges. Et nous allons voir plus tard qu'ils s'identifient parfaitement aux êtres humains. Maintenant, quels sont les liens avec les quatre êtres vivants? D'abord, nous allons lire Apocalypse 4, verset 10, 19, verset 4. Les liens avec les quatre êtres vivants. D'abord, un lien d'adoration. Que lit-on? Apocalypse
4, 10 et 19, 4. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 19, verset 4. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Donc vous avez noté bien que les 24 vieillards sont très associés, très impliqués dans l'adoration. L'adoration. Donc au centre des activités de ce lieu saint, il y a donc l'adoration. Et les vieillards sont impliqués dans cette adoration. Maintenant, les liens, pas lieux, mais liens d'humanité. Ézéchiel 1, verset 10. Ézéchiel 1, verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche et tous quatre une face d'aigle. Voilà. Alors, vous avez noté qu'au verset 5 de ce même chapitre, il est dit « Au centre apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. » Et le verset 10 dit « Figure ou face d'homme, face de lion, face de bœuf, face d'aigle. » Exactement les mêmes figures que vous avez dans l'Apocalypse. Mais là, il est répété plusieurs fois dans le texte d'Ézéchiel apparence humaine, ressemblance humaine, face d'homme. Donc, ça veut dire que les quatre êtres vivants sont des êtres qui ont une humanité. Les hommes sont impliqués dans ce symbolisme ou dans cette figure ou dans cette vision. L'humanité est impliquée puisqu'il s'agit de face d'homme. Qu'est-ce qui est impliqué à nouveau ? Eh bien, lorsque vous lisez le texte, vous comprenez que les éléments qui sont là ou les figures qui sont là sont des figures qui sont utilisées dans l'œuvre de la rédemption et notamment dans le sanctuaire, n'est-ce pas ? N'utilise-t-on pas le taureau, le bœuf, le jeune taureau dans les sacrifices du sanctuaire ? N'avez-vous pas lu que le lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Jésus n'est-il pas celui qui œuvre dans le sanctuaire? N'avons-nous pas lu que l'homme est largement utilisé dans le sanctuaire en tant que sacrificateur et souverain sacrificateur? Nous avons aussi lu dans la Bible que l'aigle est l'animal qui a des yeux très perçants et qui voit tout, rien n'échappe à son regard. Il est très, très, très haut dans le ciel, mais peut voir un petit oiseau qui vole au ras de terre et plonger et le prendre comme proie. Et vous avez noté que les quatre bêtes sont couverts d'yeux. Tout le corps des quatre bêtes sont couverts d'yeux. Et si vous lisez Ézéchiel, vous allez voir qu'il s'agit de la même chose au verset 18. Et il est dit, ils avaient une circonférence, une hauteur effrayante, et leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Voilà. Donc, ce sont les mêmes images, vues de façon différente, ou les mêmes bêtes, les mêmes symboles qui sont vus par Jean et par Ézéchiel de façon différente. Donc, les vieillards et les quatre êtres vivants ont des liens avec les êtres humains. Alors, ne serait-ce pas une représentation de l'Église sur Terre? L'Église dans ses activités spirituelles, évangéliques, rituelles, religieuses, activités religieuses? Posons-nous la question, que représentent ces quatre bêtes? Vu les différents aspects qui nous sont démontrés,
puisqu'on trouve un aspect de l'action du Christ, l'action du sang, de sacrifice dans le sanctuaire, l'action de l'Esprit de Dieu qui est présent. Les yeux représentent l'Esprit de Dieu, puisqu'il est dit que tout à l'heure, nous allons voir que les yeux, c'est la symbolique de l'Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu est représenté dans le sanctuaire par le chandelier à sept branches, par exemple. Voilà. Donc, il y a dans l'œuvre de la rédemption, du rachat, du salut de l'humanité, des actions qui sont menées pour que ces hommes et ces femmes soient sauvés. Ces actions sont conduites par Jésus, par le sacrifice, par des sacrificateurs, par l'action de l'Esprit, par l'action humaine qui s'associe à l'action divine. Voilà. Donc, ce déplacement de ces bêtes signifie certainement un mouvement, une action qui sont faites d'un commun accord par Jésus, par des hommes, par ce qui sont symbolisés par les autres animaux, de façon à ce que éclate la gloire de Dieu. L'expression qui a tout son sens dans le texte. Vous avez noté que dans Apocalypse chapitre 4, verset 8, il est dit « Il ne cesse de dire jour et nuit, saint, 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 le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant qui était et qui vient. » Maintenant, remarquez la question que je pose là. À quel espace de vie les quatre êtres vivants sont-ils associés? Quand il est dit « ne cesse de dire », c'est-à-dire les quatre êtres vivants, « ne cesse de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant qui était et qui vient. » Et les vieillards disent aussi la même chose. Jour et nuit, le jour et la nuit. Dans quel domaine est-ce que cela est? La notion de jour et de nuit, c'est bien sûr la terre qu'on trouve le jour et la nuit. Donc, ce qui veut dire que les vieillards, les quatre vivants sont là en activité par rapport à ce qui se passe sur la terre, là où règne le jour et la nuit, parce que dans le ciel, il n'y a pas de jour et de nuit. Donc, ce sont bien des activités qui se passent sur la terre et qui sont symbolisées par ces êtres vivants et par ces vieillards. On a déjà vu que les vieillards, c'est la symbolique de l'adoration. On a vu que le taureau, c'est la symbolique du sacrifice que doit offrir. Qui offrait un taureau? Eh bien, si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que c'est le sacrificateur, souverain sacrificateur, pour toute la famille des sacrificateurs qui offrait un taureau le jour des expiations. Nous sommes bien au jour des expiations aujourd'hui, n'est-ce pas? Le lieu saint est déjà ouvert et le lieu très saint lui aussi. Donc, c'est quelque chose qui a à voir avec le sanctuaire et ses fonctions. Sur la terre, le sanctuaire, le parvis du sanctuaire étant la terre. Le soleil, lune, ce sont des astres au service d'une ou plusieurs planètes pour les éclairer. C'est ce qui fait le jour. Et ce qui fait la nuit. Donc, l'espace planétaire où est la ville de Jérusalem n'est pas un espace où il y a soleil, puisqu'il est dit qu'il n'y a point de soleil, il n'y a point de jour, il n'y a point de nuit. Dieu lui-même est le soleil. Donc, l'indice que nous devons percevoir ici, c'est qu'il s'agit des activités de la terre. Maintenant, question suivante. Quelle compréhension avoir de ces quatre bêtes remplies d'yeux? Lisons Apocalypse 4, versets 5 et 7. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Le premier être vivant. Vas-y, poursuis. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Voilà. Alors, notez, soulignez dans votre Bible, il est dit au verset 5, devant le trône brûlent sept lampes qui sont les sept esprits de Dieu. D'accord? Maintenant, regardez Apocalypse 5, verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Ah, mais pardon. Ouais.
Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc vous comprenez bien que c'est l'action de l'Esprit de Dieu sur toute la terre, symbolisée par ses yeux. Donc les yeux symbolisent l'Esprit et qui est là l'Esprit de la perfection, puisque sept étant le chiffre de la perfection. Mais il est parlé de lampe au chapitre 4. Or, la Bible dit que l'œil est la lampe du corps, selon Matthieu chapitre 6, verset 22. Regardez Matthieu 6, verset 22, on ne va pas le lire, mais notez le texte. Donc, si l'œil est la lampe du corps et devant le trône, il y a sept lampes, on comprend bien pourquoi les sept esprits sont représentés par des lampes. Lampes, yeux, esprit, même bitin, même bagaille. Si ces yeux sont des esprits, les quatre êtres vivants sont donc des êtres remplis d'esprit venant de Dieu. Je reprends. Si ces yeux sont des esprits, les quatre êtres vivants sont donc des esprits remplis Dieu devant et derrière, partout, venant de Dieu. Ces quatre êtres vivants représenteraient donc les créatures de Dieu, faites de poussière, habitant la terre, puisqu'il s'agit de choses qui se passent sur la terre, faites de la nature animale, mais aussi d'origine divine, par le souffle divin mis en elle, et leur devenir dans l'économie de l'univers et dans le cadre du plan de la rédemption. Donc, ce sont des activités qui ont lieu dans le cadre du plan de la rédemption, et ces activités-là impliquent des êtres humains, impliquent des animaux, ok? Mais ces mêmes animaux représentent aussi des attitudes et des êtres humains, puisque la nature de l'homme est une nature animale, n'est-ce pas? Mais au sein de cette nature, dans cette nature animale, Dieu a mis son esprit. Donc, les quatre de quelque figure qu'ils soient, quelle que soit leur figure, sont tous couverts Dieu. Ça veut dire tous possèdent l'esprit qui vient de Dieu. Tous sont donc remplis de cet ange, de cet esprit, animé par ce souffle divin qui a été mis en l'homme. Donc, mes amis, nous avons en nous un système qui nous permet de respirer. Donc, quand on parle de souffle, il ne s'agit pas de notre respiration. Le système qui nous permet de respirer, c'est le système sympathique. Et nous avons vu la dernière fois que ce système est décrit par un mot différent. Le souffle, c'est pneuma ou Ouak. Tandis que la respiration, le système sympathique, était entama, un autre mot. Donc, nous avons deux choses en nous. Notre respiration, qui est automatique, et nous avons en nous quelque chose que la Bible appelle le pneuma, le ouak, qui est ce que Dieu a mis en nous, il a soufflé en nous pour que nous puissions être des êtres fils de Dieu, à l'image de Dieu, des êtres vivants pour Dieu. Donc, tous ces êtres, quatre êtres vivants, vieillards, celui qui est sous le trône, les anges participent à l'histoire de la rédemption qui va se jouer dans le monde divin, mais aussi le monde angélique et le monde des bêtes créées par Dieu. Maintenant, suivez bien ce que je vais dire maintenant. Les humains et les pouvoirs humains, sous l'influence et le pouvoir du dragon, de leur père le diable, sont des bêtes. Je reprends, est-ce que vous me suivez toujours? Les humains et les pouvoirs humains, sous l'influence et le pouvoir du dragon, sont appelés dans la Bible des bêtes. Et nous l'avons vu la dernière fois, Dieu dit, vous êtes des bêtes. Donc, ces bêtes ont un mélange de deux choses.
la nature humaine et la nature spirituelle, c'est-à-dire le mélange de la chair et de l'esprit, de la matière et de l'esprit. Et ce mélange de la matière et de l'esprit a pour paternité le diable, parce que Jésus dit, vous êtes tous fils du diable. Vous qui êtes nés dans ce monde-là de péché, vous êtes tous fils du diable. Il a utilisé l'homme fait de matière et d'esprit et il l'a emmené à la révolte contre Dieu. Vous êtes tous fils du diable, fils de la lumière déchue. Vous êtes là? Ok, tenez bon. Ce mélange est un mélange ingénieux, mais un mélange diabolique. Parce que la Bible dit que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Pourquoi donc la chair et le sang n'héritant pas le royaume de Dieu, Dieu a fait Adam et Ève de chair et de sang? Pourquoi? Si la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu, pourquoi a-t-il fait Adam et Ève de chair et de sang? Bien pour un temps, pour une expérience, pour démontrer quelque chose, pour démontrer que la chair et le sang ne peuvent pas se mélanger à l'esprit. Ces deux choses mises ensemble ne fonctionnent pas. Fonctionnent pas. Voilà pourquoi Dieu va nous débarrasser de la chair et du sang et nous allons redevenir des esprits avec un corps nouveau, toute nouvelle créature qui n'existe pas dans l'univers, que Dieu va mettre en place à la résurrection. Mais d'ores et déjà, nous savons qu'une partie de ces créatures vont hériter des cieux et une autre partie de ces créatures vont hériter de la terre. C'est ce que nous verrons prochainement. La personne même de Dieu s'est engagée dans cette expérience de malheur et de bonheur. Malheur parce qu'il y a eu le péché et la croix, mais bonheur parce que la croix qui est venue non seulement à absorber le péché à tout prix, mais à la résurrection, Jésus rejette la vie, il donne la vie à tous ceux qui ont été victimes du péché et qui se repentent. À quel prix Dieu a-t-il pu nous donner la vie? À quel prix? Le but de la création, donc, que vous devez comprendre, peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ces choses-là, mais le but de la création est de démontrer l'amour de Dieu. Le but de la rédemption, c'est de démontrer l'amour divin, la sagesse infiniment variée de Dieu. Montrer que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu et que Dieu va devoir faire toute chose nouvelle. Toute chose nouvelle. Notez sur vos tablettes 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. C'est ce texte qui dit que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Et notez Apocalypse 21, verset 5, c'est ce texte qui dit que Dieu va faire toute chose nouvelle. L'univers divin ne sera plus jamais le même après la création d'une nouvelle race d'anges. Une nouvelle race d'anges. Donc vous et moi devons être fiers de notre identité d'ange. Même si nous avons la chair pour un moment, nous devons ne plus vivre selon la chair, mais vivre selon l'esprit. L'expérience de la rédemption, l'expérience du péché sur la terre, c'est pour nous apprendre à ne plus vivre selon la chair, dépendant de la matière, mais à dépendre que de l'esprit, de Dieu. Dieu est esprit. Nous devons apprendre à dépendre de lui. Et il faut que l'expérience du péché nous apprenne à ne faire que ça, dépendre uniquement de Dieu. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, ils auraient été débarrassés de la nature charnelle, de chair, pour pouvoir vivre selon l'esprit. Ils auraient vaincu la nature pécheresse et Satan le savait. C'est pour ça qu'il propose le manger, ce qui nourrit la chair, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous devons apprendre à vivre pas aux dépens de notre nature de chair, charnelle, mais aux dépens de la parole de Dieu, des promesses divines, de l'Esprit de Dieu qui nous instruit. Et l'Esprit nous instruit pour que nous puissions éduquer, former l'ange que nous sommes censés être. Lorsqu'il sera débarrassé de la nature charnelle,
de façon à ce que ce qui est retourné à Dieu, c'est-à-dire l'esprit qu'il a mis en l'homme, eh bien, puisse nous être redonné avec un corps nouveau. Voilà, un corps nouveau, puisque Dieu va faire toute chose nouvelle. Donc, que représentent les quatre bêtes remplies de Dieu? Ces quatre ministères, ce sont quatre ministères associés, ministère du Christ, ministère de la sacrificature, ministère de la mission de l'homme et celle de l'Esprit qui voit tout parfaitement indispensable à l'adoration et à la rédemption. Donc l'Esprit voit tout parfaitement, la mission de l'homme doit être accomplie, la sacrificature, le Christ, victime, expiatoire et propitiatoire et intercesseur de façon à ce que la rédemption puisse avoir lieu. Maintenant, qui sont ces quatre êtres véritablement? Alors, nous avons retourné dans Ézéchiel, prenez votre Bible et nous allons simplement faire mention de quelques versets parce que le temps presse pour voir les éléments communs. Nous irons très vite. Lorsque nous lisons le chapitre 1, verset 26, nous voyons qu'il est question de trône. Lorsqu'on lit le verset 27, il est question de celui qui est assis sur le trône. Au verset 22, il est question de la mer de cristal. C'est ce qu'on lit aussi comme mer de verre dans l'Apocalypse. Ensuite, élément commun toujours, quatre êtres ou animaux au verset 4, des ailes au verset 6. Des yeux, au verset 18, les faces, les quatre faces, chaque animal a quatre faces, qui sont les mêmes que l'on cite dans Apocalypse, au verset 10. Donc, lorsque nous comprenons, en lisant Apocalypse 4, verset 8, que nous avons déjà lu, que tout cela, ce sont des activités qui ont lieu sur la terre, nous comprenons que c'est l'ensemble du ciel qui est, dans cette vision, décrit comme occupé, à s'occuper, de ce qui se passe sur la terre pour le salut des humains. Pour le salut des humains. Maintenant, ce sont des animaux à ressemblance humaine, avec des ailes. Donc, ce sont des anges, puisque ce sont des anges qui ont des ailes. Et si les animaux, ce sont des humains, puisqu'ils avaient tous une face d'homme, et Ézéchiel nous dit qu'ils avaient tous une apparence humaine. Donc, si les animaux ont des ailes, donc ce sont des anges, des esprits. Pied de veau ou esprit de sacrifice, nous l'avons vu, main d'homme ou activité intense humaine, aigle, être animé d'un esprit divin et royal, chaque animal a les mêmes caractéristiques, donc ils sont entièrement dirigés, guidés et unis par l'esprit lorsque nous lisons Ézéchiel chapitre 1, verset 12 et verset 20. Okay? Donc, nous comprenons que les animaux représentent les activités de l'Église ou les activités humaines sur la terre dans le cadre du ministère du sanctuaire, dans le cadre de la gestion divine de ce qui se passe sur la terre, mais aussi au ciel, puisque la porte du ciel est ouverte et vous avez celui qui est assis sur le trône. Donc, sur la terre et dans le ciel, on devrait ajouter. Il est dit, que faut-il comprendre de la nature des serviteurs de Dieu? Eh bien, on comprend que cette nature est animale ou charnelle, spirituelle ou angélique, humaine ou divine, en attendant la résurrection et la transmutation. Pas translutation, transmutation. D'accord? Donc, l'Église des derniers temps est celle des vierges, des serviteurs, selon Matthieu 25. En nous, il y a deux natures qui cohabitent, la nature angélique et ou spirituelle, la nature d'esprit que Dieu a soufflé en nous, a mis en nous, l'esprit que Dieu a soufflé en nous, habite en nous, mais il y a aussi en nous l'esprit de l'homme, l'esprit de la nature de péché, charnel, physique. La nature spirituelle ou angélique doit être formée, éduquée, pour parvenir à maturité et sortir de sa prison par la mort spirituelle, du moins la mort physique, la résurrection ou la transmutation. Laissez-moi vous donner un exemple. Jésus, lorsqu'il est venu dans le monde, il est venu à travers Marie. Il est venu comme un être humain. L'éducation de Marie et de l'Esprit de Dieu lui a permis de découvrir qui il était véritablement, qu'il n'était pas d'en bas, mais d'en haut. Il était un esprit en chair et os. Jésus a pris conscience de ça graduellement. Et lorsqu'il a pleinement pris conscience
de ce qu'il était sur terre, de la mission qu'il avait sur la terre, il s'est fait baptiser dans le Jourdain. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Il a été déclaré fils du Très-Haut et il a commencé sa mission. Aujourd'hui, toi et moi, écoute bien ce que je vais te dire. Tu dois parvenir à étudier la parole de Dieu de telle sorte que tu puisses prendre conscience que tu es un ange, un esprit, et que tu dois être éduqué et formé selon l'Esprit de Dieu. Nous allons vivre parmi les anges, nous serons semblables aux anges, et l'éducation que nous devons avoir d'ange se fait maintenant. Le caractère que nous allons emmener avec nous au ciel, c'est le caractère de l'ange. Et il faut l'éduquer maintenant. Il faut former ce caractère maintenant, car c'est la seule chose que nous allons emporter avec nous. Et notre responsabilité est engagée. Elle est engagée parce que c'est notre responsabilité. Dieu nous donne les moyens, mais à nous de former le caractère. Le Seigneur nous promet donc son aide, affranchi, libéré de la nature animale, domaine du péché. Jésus est capable de nous affranchir. Regardez ce que dit Jean chapitre 8, verset 34 à 36. Il ne nous reste plus que 4 diapos et nous aurons terminé. Nous laissons la place à quelques questions. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Merci. Le diable nous a entraînés dans le péché. Et en nous entraînant dans le péché, il n'a pas utilisé l'esprit qui est en nous. Il ne s'est pas mis face à l'esprit qui est en nous. Il s'est mis face à notre chair, l'esprit de l'homme. Il a confondu cet esprit en Ève puis en Adam. Il a entraîné la race humaine dans le péché. Il a utilisé la chair. L'esprit est bien disposé, dit Jésus, mais la chair est faible. Le mélange de la chair et de l'esprit est un mélange de faiblesse. Voilà pourquoi ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Et ça n'existera plus dans le royaume de Dieu. La guerre des esprits est donc une guerre d'ange contre ange. Satan veut faire en sorte que nous puissions ne pas éduquer l'esprit qui est en nous, ne pas former le caractère que Dieu veut former en nous. Il veut corrompre l'esprit que Dieu a mis en nous pour que cet esprit-là soit jeté dans l'étang de feu. Mes amis, la dernière phrase de la Bible, la dernière partie de la Bible dit « Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui a soif vienne et prenne de l'eau de la vie gratuitement. » L'esprit et l'épouse ne pourront jamais dire cela tant que l'esprit qui est en nous n'est pas conforme à l'esprit de Dieu. L'époux pourra venir alors, quand ce sera le cas, et l'eau de la vie pourra être servie amplement à tous ceux qui auront pris conscience de leur nature spirituelle, de leur nature angélique, de leur vie d'ange. Parce que nous allons être semblables aux anges et qui, dès à présent, ont laissé Dieu faire pour qu'ils puissent être ici-bas des êtres qui donnent gloire à Dieu. Satan ne pourra jamais vaincre l'ange qui est en toi. Il vaincra la chair. Mais l'ange, l'esprit, si cet esprit-là se soumet régulièrement, quotidiennement à la parole de Dieu, il y a le désir intense de se laisser faire et que vous, toi, responsable, tu fais tout pour lui donner tout ce que tu dois lui donner comme éducation, comme formation, comme exposition à la parole de Dieu, à la volonté, aux promesses divines, Satan ne pourra jamais vaincre cet esprit-là. D'ailleurs, voilà pourquoi j'en dis, ceux qui sont nés d'en haut ne pêchent pas. Ils ne pêchent pas. Ils peuvent commettre une faute à cause de la nature charnelle, mais ils ne pourront jamais demeurer dans le péché et pratiquer le péché. Ce n'est pas possible.
Comment s'opère donc la libération? Par la parole du Christ et l'Esprit du Christ, nous cessons d'être des incrédules. 1 Pierre 3, verset 18 à 20. Vous me permettez de prendre une minute ou deux de plus, parce que ça, c'est très important. Je ne veux pas terminer cette affaire en queue de poisson. Ça, c'est important de le comprendre. 1 Pierre 3, 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc vous comprenez bien que ces antédiluviens étaient des incrédules, emprisonnés par leur nature charnelle, faisant le mal. Jésus est allé leur prêcher par son esprit et il a utilisé Noé. Il a utilisé l'esprit, l'ange qui s'appelle Noé, pour parler à l'esprit de ces personnes et leur dire qu'il faut qu'ils se repentent, qu'il faut qu'ils arrêtent ce qu'ils font et qu'il faut qu'ils se préparent à entrer dans l'arche. Mais ils n'ont pas écouté. Nous sommes aujourd'hui libérés de notre prison. Regardez 1 Corinthiens 5, verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Dieu a l'intention de sauver votre esprit, l'esprit qu'il a mis en vous, car l'esprit de Dieu ne peut pas être détruit. C'est pour ça que la Bible dit que l'esprit de Dieu retourne à Dieu qui l'a donné. Dans Ecclésiastes chapitre 12, nous comprenons bien que Dieu désire sauver l'esprit qui est en nous, mais détruire la chair. Mais si nous nous livrons à Satan, et si au lieu de suivre l'Esprit de Dieu, d'être éduqué, formé, entièrement préparé par l'Esprit de Dieu, nous laissons Satan nous séduire par le biais de la chair et nous entraîner loin de Dieu, alors Dieu détruira le corps et l'âme. Il dit de ne pas craindre ceux qui tuent la chair, le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Donc le corps et l'âme, c'est-à-dire l'esprit. Il détruira les deux. Mais pour l'heure, il détruira l'esprit si nous suivons celui pour qui est réservé le feu. La Bible dit que le feu, c'est pour Satan et ses anges. Mais si nous, qui sommes des esprits, suivons l'esprit de Satan, Dieu devra détruire la chair parce qu'elle ne peut pas éviter du royaume des cieux, mais il devra aussi détruire l'esprit qu'il a mis en nous parce que nous aurons fait ce que le diable veut que nous fassions. Voilà pourquoi nous avons intérêt à suivre le maître qui est Jésus, de façon à ce que notre esprit soit sauvé. Chair détruite, corps détruit, charnel détruit, mais ce qui est spirituel, sauvé. Donc, par la résurrection, nouvelle naissance spirituelle et première, nous n'allons pas lire ces textes, mais puisque nous sommes en retard, notez-les, Jean 3, verset 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut, il dit, c'est un mystère, cela vient de l'esprit, lisez Jean 3, verset 3 à 8. 1 Corinthiens 15, verset 42 à 20, où Paul encore reparle de ça en disant, la nature est semée animale, mais elle ressuscite nature spirituelle, etc. Et il nous parle bien de ces deux choses, le corps spirituel et le corps charnel. Donc, mes amis, pour terminer, de même que Jésus a pris conscience qui il était grâce à l'esprit qui grandissait en lui, humain, nous aussi, nous devons participer activement à faire grandir en nous l'esprit que Dieu a mis. Nous sommes des êtres de nature royale, divine, peu inférieure à Dieu, peu inférieure aux anges. Le caractère n'est pas physique, il est spirituel et s'exprime à travers le physique qui sera détruit. Le caractère en relation avec le souffle, où l'Esprit de Dieu éduqué, grandissant en nous comme il l'a grandi en Jésus, sera sauvé, car déclaré fils de Dieu, comme Jésus au baptême. Il faut que l'Esprit de Dieu, l'ange, le messager de Dieu, atteigne en nous sa maturité
pour être scellés et armés au jour de la pluie de l'arrière-saison pour mener et terminer la guerre finale sous la direction du Christ. Dieu va révéler tous ses enfants nés d'en haut et va faire avec eux à la fin du monde, au moment où la pluie de l'arrière-saison va descendre, un travail extraordinaire, extraordinaire. Et je vois bien l'écrivain de la tragédie des siècles qui dit que les enfants de Dieu seront attaqués par le diable, mais ils vont simplement lever la main et ils vont tous tomber par terre. Comme Jésus, lorsqu'on est venu vers lui pour le saisir, il a levé la main, ils sont tous tombés par terre. Mes amis, voici ce que ce même auteur écrit. D'aucuns parmi nous ont eu le temps de progresser dans la vérité, d'avancer pas à pas, et chaque pas qu'ils ont fait les a fortifiés pour continuer. Mais aujourd'hui, le temps, souligné, mais aujourd'hui, le temps est presque fini. Et ce que nous avons mis des années à apprendre, d'autres devront l'apprendre en quelques mois. Il faudra aussi beaucoup désapprendre pour pouvoir beaucoup apprendre. Certaines personnes, chaque fois qu'elles entendent quelque chose de nouveau, mais qu'est-ce que le pasteur Navou est en train d'enseigner là? C'est nouveau ça. Elles se détournent parce qu'elles n'ont jamais entendu ça, se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Je vous demande de désapprendre ce qu'on vous a appris jusqu'ici et d'apprendre à nouveau avec la servante du Seigneur. C'est elle qui le dit. Il faudra beaucoup désapprendre. Le temps est fini et ce qu'il faut apprendre maintenant est nouveau et il faut l'apprendre vite. Ça ne veut pas dire que tous les piliers du passé seront rejetés. Ils restent là. Mais ce qu'il faut construire aujourd'hui, parce qu'on a donné une autre compréhension à tous ces piliers pour l'application nécessaire dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Alors, il faut être prêt à désapprendre et ne pas s'appuyer en permanence. Oui, mais à pas ça, il faut apprendre moins, à pas s'en détendre, à pas s'en étudier. Et ouvrez votre esprit pour apprendre autre chose. Faites-le maintenant. C'est important, mes amis. Pas à commander les autres, hein. Mais à commander ton petit conseil. Ouvrez l'esprit à nous, à autres. Et attendez bitin qu'elles ont pour qu'on. Parce que c'est important pour les temps actuels qu'on comprenne on dote bitin. Parce que ça, bon Dieu qui a préparé là, et ça, diable qui a préparé là, si bon Dieu pas bao d'autres armes, d'autres outils, ou peut traverser ça. Donc, ces outils-là, bon Dieu, j'ai préparé yo, mais il faut ouvrir l'esprit hein, pour prendre yo, pour peut traverser ça. Et premier bitin pour ça, c'est que vous êtes un ange. Bon Dieu, mettons l'esprit Adam et visez former l'esprit là, ça. Donc, pas laisser. Corps, passion, envie, les désirs charnels, empêcher l'esprit là, trouver éducation et besoin pour y faire travail, bon Dieu, y faire en dernier temps là, ça, et pour y aller habiter la bon Dieu, prévoir y habiter, c'est-à-dire le royaume des cieux. Le vent, diapo suivant, on termine, le vent, et le feu sur nous et en nous. Nous avons lu la dernière fois Hébreux 1, qui dit que nous sommes, les serviteurs de Dieu sont des vents et des feux. Vous vous souvenez de l'acte qui s'est passé à la Pentecôte, que le vent, lorsque l'Esprit de Dieu a soufflé sur les gens de la Pentecôte, il y a eu deux choses qui se sont manifestées. Le vent, relisez Actes 2, verset 1 à 3. Le vent et le feu. Tu peux afficher le texte, s'il te plaît? Si tu l'as. Acte 2. Le vent et le feu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, dit le texte. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc, la présence des anges. Donc, quand on parle de la venue de l'Esprit, en fait, on parle de la venue d'anges. Quand Dieu répand son esprit sur les êtres humains, ça veut dire qu'il envoie l'armée d'anges. L'armée de feu qu'il envoie. C'est ça le Saint-Esprit. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu, des langues semblables à des langues de feu, sont leur apparues, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. À la fin du monde, il va se passer des choses
semblables. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, mes amis, les vents qui sont des anges, le feu qui sont des anges, se sont manifestés puissamment à la Pentecôte et c'est ainsi que le Saint-Esprit s'est manifesté. Donc, vous et moi, le Saint-Esprit de Dieu vient vers des esprits que nous sommes. Le Saint-Esprit ne vient pas vers la chair. La chair, il n'a rien à voir avec ça. Ça sera détruit. Ce n'est pas pour le royaume des cieux. Le Saint-Esprit vient communiquer avec votre esprit. Et si cet esprit-là, vous avez pris conscience qu'il est en vous et que vous voulez qu'il soit formé et éduqué, le Saint-Esprit est là pour ça. Mais viendra le moment, vous et moi devons accomplir une mission spécifique. Dieu enverra une multitude d'anges pour accompagner chacun de nous pour accomplir la mission que nous avons à accomplir. Voici la question. Sommes-nous prêts à accomplir notre mission? Faire connaître la gloire de Dieu dans le monde. Alors, il faut que le divin en nous transcende l'humain. Il faut que l'esprit, le spirituel, transcende le physique et le charnel. Et c'est ainsi que nous pourrons être remplis de l'esprit. Faire que l'ange en nous, l'esprit en nous, se manifeste pleinement et de façon mûre, mature. Voilà, je m'arrête là pour ce soir. J'ai déjà dépassé encore le temps, il y a tellement de choses à dire. Voilà.